Good morgen, allez, Iden et Sus rejouent le Nishmat, Richard Ron, Ben Fortune Mazal, Claude Israq, Ben Fortune Mazal et Dvora Batkuka. Si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhat Yuma, Perikbet, Mishnah Gimel, Paizageni, Mishochet, Mizorek, Mi Medashen, Mizbeach, Apenimi, ou Mi Medashen, Atamenora, ou Mi Maale, Evarim, La Kevesh, Arosh, Vea Regel, Ushte Ayadaim, A Okets, Vea Regel, Echaze, Vea Gera, ושתי הדפנות והקרביים והסולט והחביטים והיין 13 כהנים זכו בו. אמר בן עזאי לפני רבי עקיבא משום רבי יהושע דרך הילוכו היה קרב. On a parlé dans la Mishnah Aleph Bet du païs הראשון. On quitte en ce moment Yom Kippour. Yom Kippour, l'évolution chronologique depuis avant Kippour jusqu'à pendant Kippour et le début des premières avodotes du matin, ça nous a fait entrer maintenant dans l'histoire du païs, puisqu'on a parlé du Trumata Deshen, le fait de lever la cendre qui restait sur le Mizbéar et de les vider pour préparer la nouvelle Maharacha, les nouveaux bûchers pour brûler tous les korbanot. Et bien, du coup, ça a été l'occasion de nous introduire l'histoire du païs, des tirages au sort, le Goral, quoi, enfin le tirage, on tirait au sort ce qui allait faire certaines avodot, et il y avait 4 païs, on avait appris. Il y avait 4 fois on tirait au sort avec le système, le Kohen désignait un Kohen en lui retirant son chapeau de Kohen, en lui disant à partir de toi on va commencer le décompte, et il commençait à prendre, à jeter un chiffre, par exemple 65, et il commençait à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en comptant les doigts, bien sûr, pas les hommes. Et lorsqu'il arrivait à 65, eh bien, tac, ça tombait sur toi, donc c'est toi qui vas gagner le premier, donc la Trumata Deshen, c'est toi qui vas devoir lever la Trumata Deshen. Après, maintenant, on apprend le païs à chenille. Après, les Kohanim se réunissent et on fait un deuxième tirage au sort, avec le même système, il va jeter un chiffre, 63, 48, ce que vous voulez, et on va désigner un Kohen, à partir de toi, on va commencer le compte, et on compte, et sur qui on est tombé? Sur le chiffre 48. Alors là, on va se retrouver avec 13 Kohanim à la suite, lui et les 12 autres encore, donc au total 13 Kohanim qui vont tout de suite recevoir un rôle en rapport avec le Korban Atamid, et c'est ce qu'on va apprendre dans notre Mishnah. À Païs Hacheni, le deuxième Païs, le deuxième Goral, le deuxième tirage au sort, Mishochet Mizorek, qui fait la Shchita du Tamid et qui fait la Zrika du Tamid. C'est-à-dire, vous savez que le Korban, porter le Korban pour le... lorsqu'on offre un korban, Shrita Kabbalah ou la Chazrika. C'est 4 notions qu'il faut connaître depuis qu'on utilise Varim déjà. On fait la Shrita, on réceptionne le sang, on prend le sang, on l'amène sur le Misbéar, pour la proximité du Misbéar, et on asperge, selon le cas, puisqu'on parle d'une Ola, donc c'est Shtaim Shenarba. Donc, Mishochet ve Mizorek, qui va faire la Shrita du korban tamid et qui va réceptionner le sang? En réalité, la Gemara précise que c'est Mizorek et Mishochet. Parce que celui sur qui le tirage va tomber, c'est lui à qui on veut lui donner la zrika, pas la shrita. Le plus important dans la shrita, dans la vodot, la voda la plus mechoubedet, c'est d'asperger le sang et pas de faire la shrita. D'ailleurs, la shrita, même en Israël, si j'ai un korban, je peux moi-même faire la shrita. Je n'ai pas le droit de réceptionner le sang pour aller l'asperger sur le misbéach. Mais la shrita, j'ai le droit de le faire alors que je ne suis pas Kohen. Donc, du coup, en fait, c'était Mizorek ve Mishochet. Et ensuite, c'est vraiment la Mishnah a voulu le prendre de manière chronologique. Et alors là, on a 13 Kohanim, je vous ai dit. Donc ça fait déjà 2. Il y a celui qui fait la Shrita, celui qui fait la Zrika. Réceptionner le sang, l'amener et l'asperger, c'est une seule avoda. Donc c'est lui qui va le recevoir. Ensuite, on va avoir 2 avodotes qui n'ont pas de rapport avec le Korban Tamid. C'est Mimedashen Mizbech Apnimi ou Mimedashen Etamenora. Qui va partir vider les cendres maintenant du Mizbech Apnimi, donc on a vidé les cendres du Mizbech Harison dans la Trumata Deshen. Maintenant, il va falloir partir vider et préparer. Parce que dans pas longtemps, on va faire monter une nouvelle encens. Il fallait vider les premières cendres. On apprenait tout ça dans ma Masechet Tamid. Vous vous rappelez, avec le teni et le couze et des ustensiles spéciaux pour aller les chercher, pour vider. Donc ça, c'est Mimedashen Tamenora. Ou Mimedashen Tamenora. On a parlé du Misbéar juste avant, vider les cendres du Misbéar, et aussi vider les cendres de la Menorah, c'est-à-dire lorsque la préparer les veilleuses, en fait, pour qu'on puisse leur allumer plus tard. Mais plus précisément, il y avait en fait un nerf qui était encore allumé, le nerf à Marui. Et le problème, c'est que la mèche, lorsqu'on la laisse brûler pendant longtemps,
Alors elle fait une sorte de petit charbon en haut. Donc il faut couper ce petit bout de charbon pour mieux tirer la mèche, qu'elle soit plus mieux faite, quoi. Et voilà. Donc ça fait pour le moment 4 koanimes. 2 en rapport avec le korban tamid et 2 en rapport avec plutôt rentrer dans le Hichal pour préparer le misbéach à Zahav, le misbéach de l'encens, et la menorah. Maintenant, on se retrouve qu'on a déjà fait maintenant la shrita du tamid, on l'a déjà égorgé, on l'a déjà aspergé son sang. Maintenant, il va falloir faire monter les membres sur le misbéach. Donc on a un mouton entier. Pour comprendre la suite qui va se passer tout de suite, je vous explique d'abord, on a un mouton entier. Il va falloir, on va le sectionner, la Torah nous dit, nitachoto lintachav, l'enateachoto, ça veut dire le couper en morceaux, le sectionner en morceaux. On va sectionner sur ça, je crois, 6 morceaux conséquents, et on va le donner, chacun de ces 6 morceaux, à un Kohen spécifique, qui va le prendre et qui va le monter. Donc on commence avec le premier, ou mima leverim la kevesh, qui va monter les membres sur le misbéach, mais c'est pas une seule personne, il y a plein de membres. Et en fait, on a Harosh va Régel, la tête et le pied, ça va ensemble. Étant donné que, comme le Bartonon le dit, la tête, cependant, le membre le plus important chez tout le monde, même chez l'animal. Mais d'un autre côté, il n'y a pas beaucoup de viande, il y a plein d'os. Donc du coup, on lui rajoute un morceau qui a plein de viande, c'est le pied. Comme ça, c'est rapporté ici dans le Bartonon. Donc c'est pour ça qu'on a Harosh va Régel. Ushtea Yadaim, les deux mains. Les deux mains, d'accord, les deux, c'est-à-dire les deux mains, c'est les deux pattes avant. Avec la viande qu'il y a dedans, donc c'est encore un deuxième Kohen. Ha Oketz va régal, cette fois-ci, on est avec. La Oketz, c'est la queue et le pied. Puisqu'on parle d'un mouton, alors il y a le. Je sais pas si c'est l'alia, je sais pas exactement. Ha Oketz, donc, avec le pied. Le deuxième pied. Donc maintenant, on a retiré déjà les quatre pieds, la tête, un pied, plus l'autre pied avec. D'accord. Un morceau de. Donc le pied avec la chair qu'il y a dedans. À part ça maintenant, on va maintenant s'occuper Echazé et Agera. Echazé c'est la poitrine, et Agera c'est la trachée artère, plus précisément. La trachée artère, c'est celle auquel sont reliées. Il nous dit le Barthénora, l'aréa et le lèvre. Il rajoute aussi le kaved c'est un problème, on laisse de côté. Mais en tout cas on a aréa, c'est les poumons et le cœur. C'est-à-dire on va lui donner en fait toute la poitrine, la viande qu'il y a dedans, avec... la trachée artère, et avec aussi, qui est attaché donc au poumon et au cœur, tout ça, c'est un seul Kohen qui va prendre tout ce morceau-là, et qui va le faire monter sur le misbéach. Ou Shtei Hadfanot, alors Shtei Hadfanot, littéralement les deux parois, les deux côtes en fait, c'est en fait depuis la colonne vertébrale, les deux côtes, avec la chair qu'il y a dedans, plus le foie justement, le problème c'est que Bartonor, il a fait entrer le foie dans le problème précédemment, le Tosotium Tov Kohish, qui veut dire non, le foie ici, d'accord. Donc, et on a fini avec... Ah, il reste encore un. Vakravaim, c'est... Kravaim, c'est la kishke. En yiddish, c'est le... La kishke, c'est le... Les tripes. Toutes les entrailles, les intestins. Ok. Donc ça fait maintenant qu'on a eu 6 koanim qui ont eu une part, qui ont un plateau à faire monter sur le misbéach. Donc on a dit, Roger Regel, Shtadaim, Ok, Tzua Regel... Echazé et Agera, ça va ensemble. Jeté Adfanot va Kravaim, ça fait 6. Ok. On avait maintenant les 4 précédents. Shrita Zrika et Dishun Mizbeach Apnimi et Dishun Amenora. Donc on est pour le moment arrivé à 10 Kohanim. A part ça, il y a aussi, il faut désigner Veha Solet, Veha Chavitin, Veha Yain. Solet, c'est celui qui va apporter la semoule, parce que vous savez bien que lorsqu'on fait un korban, il faut aussi apporter une oblation de semoule, comment c'est dit là-bas, minchatam veniskeem, les nisour, les oblations qui accompagnent aussi, il faut apporter de la farine, de la semoule plutôt, et apporter aussi du vin. Et donc ce que la Michal me dit, à solette, et je saute sur le yaïn aussi, ça va ensemble. Avec, à part ça, au milieu, on a les chavitin. Chavitin, c'est quoi exactement les chavitin? Chavitin, c'est une oblation de blé, que le Kohen Gadol doit faire tous les jours. Il doit apporter tous les jours, c'est-à-dire, il n'est pas obligé d'être là, de la faire lui-même, mais il doit au moins donner l'argent au Beth Amikdash pour que tous les jours on achète une oblation très spéciale où on doit la faire cuire plusieurs fois, de plusieurs manières, et puis après qu'on va faire 12 pains, on va partager en deux, on va offrir la moitié le matin, la moitié l'après-midi. Ça, c'est le Chavitin. Donc on s'est retrouvé avec maintenant 13 Kohanim pour le moment,
comme la Mishnah conclut, Shloshazar Kohanim Zachubo. Il s'avère qu'à présent, on a eu donc 13 Kohanim qui ont reçu un rôle. Ouais, on est dans le Païs Hacheni, lorsqu'on a fait le deuxième tirage au sort. Depuis le moment, on va tomber le chiffre, on avait dit 48, on est tombé sur lui. Lui et les 12 autres, donc ça fait au total 13, ils vont tous recevoir une fonction. Le premier qui a été désigné, c'est la Zrika. Le deuxième, c'est la Shrita. Et puis après, 2 sur le Mizbeach Panim et la Menorah. Puis après, 6 pour disséquer le Korban. Et donc, Solet, Ravitin, Veayin. Ok, 13 Kohanim au total. Amar Ben Azaï, il a rétorqué sur ça, Ben Azaï, l'Ifne Rabbi Akiva, lorsqu'il était devant Rabbi Akiva, Mishum Rabbi Yoshua, en rapportant une halakha au nom de Rabbi Yoshua. Qui me dit quoi? Que Derech Hilucho Ayakarev, il fallait faire le Korban Tamid, lorsque tu vas le sectionner en plusieurs morceaux, ne fais pas comme ce que tu m'as dit, la tête et le. Et le pied et la patte arrière, plus après les deux pattes de devant, plus après le deux. Non, tu le fais derech hilucho. Regarde lorsque tu as un corban qui marche, lorsque tu as un mouton qui marche, regarde, tu as la tête d'abord, après, tu as, avant la tête, il y a le torse. Et avant, c'est ce que le patron noir nous dit, regardez, Tanakama, en fait, il change l'ordre. Et Ben Azaï, ça va, derech hilucho, arroche varegel, echazé vagera. Donc lorsque quelqu'un, lorsqu'un animal marche à quatre pattes, il y a la tête d'abord, et puis après il y a le poumon avec dessus, bien sûr, le canet avec la trachée artère qui est attachée, et les poumons, et le cœur aussi. Et puis après on a donc, on se retrouve maintenant cette fois-ci, Ushteada, et Kedar Khilou, Arroja Rigel, Khazela Gera, Ushteada, Mushted Fanot, j'ai perdu ma ligne. Arroja Rigel, et Khazela Gera, Ushteadaim, maintenant tu vas porter les deux mains. Après les deux Tfanot, c'est le deux côtes avec toute la viande qu'il y a dedans, et là-bas il y avait le foie donc. A Oketz va régler, et après, seulement après, tu apportes la partie arrière, le flanc, avec le. Voilà. Et la halakha n'est pas établie comme Ben Azaï, mais comme Chachamim, qu'eux ont plutôt désigné les membres selon leur importance. Ok. C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine d'Hatzlacha, comme tout le monde sait.